Dans un contexte de difficulté, dans une ambiance où l'afro-pessimisme règne, il a été bon que des Africains s'expriment sur des aspects différents, sur une alternative de l'autre Afrique. Un peu comme si on observait une bouteille, pour certains elle serait à moitié vide, pour d'autres elle serait à moitié pleine. Je me situe dans le deuxième camp. Né le 30 septembre 1944, le brillant professeur de sociologie Cheikh Saad Boukamara est décédé le 30 décembre 2019. Figure incontournable de la vie intellectuelle en Mauritanie et en Afrique, il était depuis 1982 consultant international en développement. Ses remarquables prouesses intellectuelles font de lui un homme très sollicité sur le plan national et international. De 1980 à 1984, il est chargé de mission à la primature. Il sera par la suite nommé président du conseil d'administration de la Société mauritanienne d'assurance. Membre de la Société mauritanienne des droits de l'homme, lui et ses amis sont accusés de préparer un coup d'état contre Houltaya. Il sera emprisonné pour la première fois en 1994. De son expérience à la FAO en passant par le PNUD, jusqu'à l'UNESCO, il se taille une veste d'expert en consulting international. Nommé vice-président de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme en 2001, il animera le premier forum social africain au Mali en 2002. Alors qu'il était membre de la Commission électorale nationale indépendante, il est désigné président de la communication et dédication à la citoyenneté avant d'être nommé président de la CENI en 2009 lors de la présidentielle en Mauritanie. C'est au département de sociologie à l'université de Nouakchott que le professeur va tirer sa révérence en 2007. Il consacra son temps au voyage en sillonnant le continent africain. En 2011, il parut son dernier ouvrage « Afrique Espérance » aux éditions Harmattan. Co-auteur de « Le Sahel face au futur » en 1986 et d'Urbanisation de la Mauritanie en 1988, il est également auteur d'Espace pastoral mauritanien en 1990. Le 31 octobre 2018, l'ambassadeur de France en Mauritanie lui attribue les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur au nom de la République française. Brillant professeur de sociologie, combattant de la liberté, passionné des voyages, les 75 années de vie de Cheikh Saad Boukamara resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Au nom de toute la rédaction de RMIinfo.com, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille pour le repos de son âme. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournerons.